Amis du culte, aujourd'hui je vais vous parler de We Are The Flesh d'Emiliano Rocha Minter. Attention, petite bombe, We Are The Flesh est de ces films qui vous prennent et ne vous lâchent plus. Cela vous choque et vous fait réfléchir. Emiliano Rocha Minter, tout comme le Jodorowsky de la grande époque, ne fait pas de concessions. L'histoire en quelques mots, dans un monde que l'on suppose apocalyptique, mais est-ce bien le cas, un frère et une sœur rentrent dans la maison d'un excentrique hédoniste qui va peu à peu les pousser à assouvir leurs propres pulsions. Bonjour Inceste. Car si nombre de spectateurs se sont montrés choqués par cette fameuse scène d'inceste, non simulée, le propos du métrage en a laissé plus d'un sur le carreau. Car si We Are The Flesh parle du refoulé, de la morale, l'univers dans lequel le film se passe, avec papier mâché sur les murs, comme un cocon réconfortant, fait plutôt penser à un univers matriciel avec mort et naissance à l'appui. Fort d'un symboliste génial, l'union du frère et de la sœur impliquant la mort de la conscience, le troisième personnage. Mais une conscience qui renaîtra à neuf, comme si le passage à l'acte l'avait nettoyé de ses impuretés. Le trio de comédiens est dément, surtout le vieil excentrique joué par Noé Hernandez, tout en regard torve, en folie si peu contenue et perversion malsaine. Face à lui, le garçon est un peu fade, mais largement compensé par la sœur jouée par Maria Evoli, dont c'est le premier rôle au cinéma, qui se donne corps et âme dans un rôle pas facile et physique. Pour en revenir à l'image, nous sommes effectivement très proches d'un Jodorowsky, tant dans le jusqu'au boutisme que dans les thèmes crypto-religieux avec un soupçon d'érotisme. Sauf que là, l'érotisme est beaucoup plus frontal. Et que dire des choix d'ambiance et de cadrage, ou comment nous faire entrer dans la psyché des personnages en finesse sans en faire des tonnes. Quoique, mettre du carton sur les murs, scotcher tous les angles afin de faire du bâtiment un espace singulier, c'est un peu en faire beaucoup déjà. Et il y a cette fin, à la Jodo, que je ne déflorerai pas, car j'ai vraiment envie de vous conseiller ce film, qui remettra tout en perspective ce que vous avez vu. Un pénné symbolique, logique, mais surprenant. We Are The Flesh, un film que je vous conseille.